Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le soleil vient tout juste de se lever sur la ferme du Pré Charmant. Tom est le premier à se réveiller. Bonjour Filou. Allez, on se réveille maintenant. Veux-tu venir m'aider aujourd'hui? T'aider? Oui, je suis prêt. Par quoi je commence? Allez vite, dis-moi. Alors, on va d'abord aller vérifier que tous les animaux sont là. Chouette! J'ai du travail, j'ai du travail, youpi! Pas si vite, attends-moi! Un chat! Bonjour Minouche! Un, deux! Deux canards! Alors de retour, ça va? Comptez les moutons. Du calme, on a toute la journée pour ça. Il est encore très tôt. Tom adore travailler avec Filou. C'est un vrai petit clown. Bonjour tout le monde. Pourquoi tant d'agitation ce matin? Filou m'a aidé à compter tous les animaux. Ça y est, j'ai fini, Tom. Les moutons sont tous là. En effet, c'est ce que je vois. Quelqu'un a oublié de fermer la barrière. Désolé. Tom commence donc à rassembler tous les moutons. Mais juste au moment où les moutons allaient rentrer dans le champ, Filou referme la barrière. Filou! Désolé. J'arrive, on va tout régler. Oh, il faut que je m'arrête, j'ai la tête qui tourne. Mais où sont passés les moutons? Là, ils sont cachés, derrière l'arbre. Vous deux, je vais les bloquer. Vous êtes enfin retournés dans votre champ. Il était temps. Maintenant, on peut fermer la barrière. Et moi alors? Je n'ai pas le droit de rentrer? Oh, excuse-moi, Flore. Filou adore tellement travailler avec Tom qu'il veut participer à toutes les tâches. Pour commencer cette journée de dur labeur, Tom doit aider Flore à retirer un vieux tronc d'arbre. On va enlever ce vieil arbre car il est mort. C'est pour cela qu'il n'a plus de feuilles. C'est bon, Tom. Tu es prêt? Allez, tire! C'est du bon travail! Venez voir! Moi aussi j'ai enlevé un tronc d'arbre! Mais enfin, Filou, ce n'est pas un tronc d'arbre! Mais pourtant, il n'y a pas de feuilles non plus! Petit coquin, c'est l'un des poteaux de la nouvelle clôture de Max. J'ai encore fait une bêtise! Ce n'est pas grave, Tom va nous réparer ça. Oh! Ne t'énerve pas contre lui! Filou voulait juste nous aider. Je ne suis pas énervée, mais il faut que j'aille à la grange pour chercher ma pelle et ma remorque. Attends, je viens avec toi. Je travaille avec toi, tu as oublié.
Mais Tom est vraiment fâché. Il lui reste beaucoup de travail à faire et l'aide de Filou ne lui fait pas toujours gagner du temps. Tu attends que je te donne quelque chose à faire et surtout tu écoutes bien, compris? Reçu 5 sur 5. J'attends, j'écoute et je fais. Je rentre, on se retrouve à la ferme. Tom charge les rondins dans sa grosse remorque. Ainsi que dans la petite remorque de Filou. Bon, écoute-moi bien. Tu vas pouvoir ramener la remorque jusqu'à la ferme. Chouette! Encore du travail, youpi! Mais Filou, non! Prends celle-là! Au secours! Stop! Ça va trop vite! Ouais. Il n'en rate pas une! Je te promets que j'ai écouté, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Tu m'as dit de ramener la remorque. Je ne parlais pas de cette remorque-là, mais de... Oh, il ne me reste plus qu'à tout recommencer. Mais j'essayais juste de t'aider. Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Je travaillerai plus vite tout seul. Oh. Ainsi, Tom recharge seul tous les rondins dans la remorque. Une fois cette tâche accomplie, il retourne à la ferme pour les donner à Flore. Merci beaucoup, Tom. Il entasse seul les bottes de paille dans le champ. Il creuse un trou pour un nouvel arbre tout seul. Il transporte les derniers poteaux de la clôture de Max encore tout seul. Le travail se fait plus rapidement quand Filou ne l'aide pas, mais c'est beaucoup moins amusant. Soudain, Tom se demande où est passé son ami. Il ne l'a pas vu depuis ce matin. Il pense qu'il s'est montré un peu trop dur avec lui. Sais-tu où est Filou? Filou n'est pas dans la grange, ni dans la cour. Filou! Ouh! Mais où te caches-tu? Tom a une idée. Il s'empresse d'aller voir dans le champ des moutons. Mais Filou n'est pas là. As-tu vu Filou dans les parages, Paquita? Et toi, Caramel? Tu sais où est Filou? J'ai vraiment regardé dans les moindres recoins. Impossible de le trouver. Il est peut-être parti pour toujours. C'est quoi ça? Rien du tout. Laisse-moi tranquille. Mais je me suis inquiétée, tu sais. Tu avais laissé ta remorque. Tu n'avais qu'à la ramener puisque tout est plus simple quand je ne t'aide pas. Oh, Filou, j'en ai assez de faire toutes les tâches tout seul. Je préfère travailler avec toi, c'est plus drôle. Je ne voulais pas te blesser, tu es mon ami. Je suis désolée de m'être emportée. Vraiment? Moi aussi. Je m'excuse d'avoir renversé les rondins et je suis désolée d'avoir enlevé le poteau de la clôture et aussi d'avoir laissé la barrière ouverte. Mais moi, je voulais juste te donner un petit coup de main. Oui, je le sais. Et je veux que tu viennes m'aider. Tu es sûre? Comment? Tu vas me donner du travail? Peut-être. Tu vas commencer par ramener ta remorque à la grange. Je suis sûre qu'on te trouvera quelque chose à faire sur place. Ainsi, Tom et Filou se sont réconciliés et sont à nouveau des amis. En arrivant à la ferme, un travail surprise les attend. Quelqu'un a
encore oublié de refermer la barrière. Oups. Youpi, du travail, du travail. Cette fois-ci, j'assure, je vais leur bloquer le passage. Félicitations, quel beau travail d'équipe! Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer! C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce.